C'est qui a peint la Joconde? Tain, mais c'est quoi les sept merveilles du monde? Qui va pleuvoir demain à Paris? En fait, j'ai tellement de questions. Mais pourquoi je me rappelle pas de tout ça? Mais qu'est-ce qui pourrait me faire rappeler tout ça? Je sais plus. La tour Eiffel, elle fait combien de mètres? Et comment il s'appelait vraiment Johnny Hallyday? Jean-Philippe Smet, pas besoin d'être un fan de Johnny Hallyday pour savoir que le véritable nom du chanteur est Jean-Philippe Smet. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur une grosse nouveauté, la 2.0, la toute nouvelle version qui vient d'équiper notre Voxy One. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés en perspective sur notre Voxy One. Alors, vous êtes équipé d'un Voxy One, vous n'avez pas encore découvert toutes ces nouveautés. Vous allez les découvrir dans cette vidéo sur Vision High Tech, les amis. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça se passe ici. Si vous vous posez des questions telles que vous venez de les entendre, le Voxy One est capable de vous renseigner sur toutes vos questions. Avec le petit bouton de reconnaissance vocale, Google, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? 300 mètres. 300 mètres. Google, quelle est la hauteur de l'Arc de Triomphe? 50 mètres. 50 mètres. Oh, je ne le voyais pas aussi grand, les amis. Par exemple, Google, au fait, comment s'appelait Johnny Hallyday? Car l'idole des jeunes est né Jean-Philippe Smet. Toutes les questions que vous vous posez, pas besoin de dire le mot-clé. Vous appuyez sur le petit bouton de votre Voxy One. Vous dites le mot-clé Google avant et il vous renseignera. Google, météo demain à Lille. 11 degrés Celsius averse éparse. L'importance, c'est d'appuyer une fois rapidement sur le bouton pour lancer la reconnaissance vocale. Vous entendez la petite clochette et vous lancez votre quête. Google, quel est, où, comment, météo, qui était et votre Voxy One est aujourd'hui entièrement capable de vous renseigner à toutes vos questions. Et c'est pas fini les amis. Aujourd'hui, grâce à ces nouveautés, faites des calculs mentaux à la volée. C'est possible, encore une fois, avec votre Voxy One. Vous lui dites tout simplement le petit mot-clé calculatrice et c'est parti. Calculatrice, 100 divisé par 2 multiplié par 4. 200. Waouh, ultra rapide les amis. Le Voxy One est capable de vous calculer à la volée, toujours avec son petit bouton, la reconnaissance vocale. C'est sa puissance grâce à ce petit bouton. N'hésitez pas à vous en servir. Exemple ici. Et là par exemple, soit vous le faites à la volée, ici, calculatrice, 200 multiplié par 4 plus 10 divisé par 2 multiplié par 5. 825. Et même si vous voulez tapoter sur votre écran, vous lui demandez tout simplement calculatrice. Calculatrice ouverte. Et là, votre calculatrice s'ouvre comme par magie. Ultra efficace. Le Voxy One et cette nouvelle mise à jour, ce n'est que du bonheur. Savez-vous que votre Voxy One est capable maintenant de reconnaître la musique si... Et oui les amis, chazamer avec votre Voxy One n'a jamais été aussi simple. Vous écoutez de la musique et c'est parti, vous pouvez demander à votre Voxy One de reconnaître cette musique. Exemple ici, simple mot-clé, toujours avec notre petit bouton de reconnaissance vocale. On appuie sur ce bouton, on donne le bon mot-clé et c'est parti. Exemple pour la reconnaissance de musique les amis. C'est parti avec le mot-clé. Le mot-clé est reconnaissance de musique. Reconnaissance de musique. Écoute en cours. Résultat, mais je t'aime. Grand corps malade, Camille Lelouch. Mais je t'aime. Top, la reconnaissance vocale est parfaite les amis. On continue parce que les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Il y a encore pas mal de nouveautés à découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Alors attention les amis, puisque tout ce que je vous dis se fait à partir de l'écran d'accueil.
Et là, les amis, dans cette nouveauté, celle que je kiffe le plus, c'est celle-là. Écoutez ça et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite nouveauté ultra sympa. Et on lui demande orthographe. Alors, si vous aimez, par exemple, les mots croisés, les Scrabble, vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot, votre Voxy One est là pour vous corriger. C'est parti. Orthographe de baleine. B-A-L-E-I-N-E. Waouh. Allez, un mot un peu plus compliqué. Orthographe de anticonstitutionnellement. De anticonstitutionnellement. A-N-T-I-C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N-N-E-L-L-E-M-E-N-T. Wow. Trop, trop fort. N'hésitez pas à demander à votre Voxy One orthographe et le mot derrière. Il vous aidera dans vos mots croisés. En tout cas, si vous avez un doute sur n'importe quel orthographe de mot, demandez-lui, il sera accueil. 14h29, vendredi 18 décembre, un aide visuel. On arrive tout de suite sur l'accueil, accueil, application et c'est parti. Dans ces nouveautés, possibilité maintenant de joindre des pièces jointes à partir de mail. Important, vous êtes en poste de travail, vous avez un Voxy One, vous voulez donc envoyer des pièces jointes à partir de votre adresse mail. Tout simple, on lui demande email. stéphane.berthier49@gmail.com. Un boîte de réception 2. On arrive tout de suite dans boîte de réception. Deux nouveaux messages. 3 recherches. 4 messages envoyés. 5 corbeilles. 6 spams. 7 contacts. 8 ajouter un nouveau compte email. On va tout de suite lui demander nouveau. Nouveau. Champ texte avec saisie assistée, envoyé à. Tout de suite, on vous demande à qui voulez-vous envoyer votre mail. Totalement logique. Ici, on va lui dire par exemple Christophe. Christophe inséré. Bouton valider. Donc, si Christophe est dans vos contacts et vous avez renseigné correctement les champs contacts, le mail devrait s'y trouver. On valide. Champ texte avec saisie assistée, envoyé à Christophe. Envoyé à Christophe. Champ texte avec saisie assistée, CC. On peut mettre donc en copie jointe. Champ texte avec saisie assistée, CCI. Le CCI. Champ texte, sujet, vide. L'objet, le sujet. Pour tous mes abonnés. Pour tous mes abonnés insérés. Pour tous mes abonnés. Champ texte, message, vide. Corps du message, on va lui laisser un petit message sympathique. Salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. On vous attend nombreux. Beaucoup d'astuces, beaucoup de tutos, beaucoup d'accessibilité. J'espère que les vidéos vous plaisent. Salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. On vous attend nombreux. Beaucoup d'astuces, beaucoup de tutos, beaucoup d'accessibilité. J'espère que les vidéos vous plaisent insérées. Énorme. Je veux mettre une pièce jointe. Je veux vous envoyer des gros bisous en pièce jointe. Donc c'est parti. Choisir un fichier, pièce jointe, 5 mégaoctets max. 5 mégaoctets max, ce qui est déjà ultra conséquent. Je valide par exemple. 1, dossier, document. Et maintenant, quand je valide sur pièce jointe, je peux aller chercher ma pièce jointe où je le désire. Donc dans le dossier musique, dans le dossier photo, dans le dossier, vous pouvez envoyer des PDF. Donc c'est super important si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en poste de travail, vous avez un Voxy One, eh bien aujourd'hui, vous êtes capable d'envoyer et de lire les pièces jointes. Ça, c'est vraiment super. 2. Dossier livre. Dossier livre. 3. Dossier loupe. 4. Dossier musique. 5. Dossier photo. 1. Dossier appareil photo. 2. Dossier MMS. On peut donc envoyer des MMS et ça en pièce jointe. On peut envoyer des MMS, on peut faire envoyer des JPEG, on peut envoyer des fichiers PDF, doc, etc. Du moment où ce fichier se trouve à l'intérieur de votre Voxy One. Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez intéressant comme nouveauté dans ce Voxy One. 1.
dossier, appareil photo. Et on rentre. Un IMG-2-0003-26-2 IMG-1-1 IMG-1. On va envoyer cette photo. Choisir un fichier, pièce jointe, 5 mégaoctets max, IMG-2-2. Je suis donc allé rechercher un JPEG que j'insère comme pièce jointe. Pièce jointe, 5 mégaoctets max, IMG-2-2. Donc, j'ai mon image qui a été intégrée. Juste dessous, j'ai le bouton. Envoyer. Envoyer. Je peux l'envoyer. C'est parti. Le Voxy One se charge de m'envoyer ma pièce jointe, mon mail. C'est vraiment le top, ultra simple avec ce Voxy One. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, très simple aujourd'hui d'envoyer une pièce jointe. On continue car les nouveautés ne s'arrêtent pas là, les amis. Imaginez-vous, vous êtes en plein musée. Vous voulez lire, par exemple, un document. Vous n'avez pas le temps ? Alors, prenez-le en photo et votre Voxy One vous lira cette photo par la suite. C'est parti. Photo prise avec succès. Portrait. Maintenant, vous êtes capable de relire cette photo, même chez vous, malgré qu'elle ait été prise à l'autre bout du monde. Voilà donc, vous étiez dans un musée, vous étiez dans un endroit où pas le temps de lire, pas le temps de pouvoir numériser à l'instant T, mais absolument, vous vouliez avoir cette lecture de ce document. Eh bien, après avoir pris votre photo, vous vous dirigez sur votre dossier appareil photo. Ici, vous demandez photo. Dossier appareil photo. On arrive dans le dossier appareil photo. 2. Dossier MMS. Alors là aussi, aujourd'hui, le Voxy One, comme tous les autres téléphones, est capable de gérer l'intégralité des MMS, donc l'envoi et la réception d'MMS, les amis. Aucun problème. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous rencontrez des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La société VoxyWeb lira tous les commentaires et vous répondra en temps réel. Donc on rentre dans le dossier photo. 1. Appareil photo. Je rentre. Un IMG-2-2003. Alors, une fois que vous êtes sur votre fichier JPEG, une fois que vous avez entendu que vous êtes sur le bon fichier, vous posez deux doigts rapidement sur votre écran. IMG-0004-2020212815003.jpg. Taille 4,28 mégaoctets. Date, vendredi 18 décembre 2020, 15h10. Un extraire le texte OCR. Comme vous venez d'entendre, un extraire le texte en OCR. C'est là, franchement, ultra génial, car vous allez pouvoir lire vos documents où que vous soyez. Donc, vous avez entendu la date, l'heure à laquelle vous avez pris cette photo. Tout y est. Ici, donc, de copier. On peut donc copier pour aller la coller ailleurs dans votre Voxy One, on peut donc extraire le texte. 3. Déplacer. Déplacer. 4. Renommer. 5. Supprimer le fichier. Bas de page. 5. Supprimer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est extraire le texte, les amis. C'est parti. 1. Extraire le texte OCR. Et on le valide. OCR en cours. Le top. S'il y a du texte dans votre photo, automatiquement, il extrait. Paris, ces astres qui, toire excentrique, bite de Jupiter jusqu'égal, m'engorger d'eau. Sublimation passage de l'état solide à gazeux sans passer par l'état liquide. Il se produit dans le vide spatial quand des glaces d'eau sont réchauffées par le soleil, qui possède un neutron supplémentaire dans son noyau atomique, a des propriétés physiques différentes. Il est notamment deux fois plus lourd que l'hydrogène. Pause. La respose. On peut monter ou descendre dans le texte, faire une pause, reprendre la lecture, et ça c'est vraiment ultra génial. Voilà donc pour une partie de ces nouveautés, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision High Tech pour continuer à suivre toutes ces nouvelles technologies accessibles. Vraiment un énorme merci, on vient de dépasser les 53 200 abonnés, vous êtes tous géniaux, vous êtes tous merveilleux. Merci de m'encourager, merci pour tous vos messages de soutien pour cette année 2020. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de Noël. Vraiment,
C'est magnifique tout ce qu'on a vécu ensemble depuis un peu plus maintenant de 3 ans. Beaucoup d'entre vous, que je remercie énormément, sont souvent en train de commenter. C'est ce qui est important pour faire monter la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez-les, commentez. Une chaîne YouTube, ça marche comme ça, ça marche pas autrement. C'est grâce à vous que la chaîne fonctionne. C'est grâce à vous que Vision High Tech existe. Et tout ça, c'est grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos partages, puisque le robot YouTube observe tout ça. Et si il n'y a pas tout ça, si tout ça n'est pas rassemblé, franchement, c'est génial. On a vraiment fait un beau travail ensemble depuis 3 ans. C'est vraiment compliqué. Sachez que aujourd'hui, le travail des vidéos est très compliqué pour une personne malvoyante. Et comme vous savez, je suis atteint d'une neuropathie optique de Leber au niveau de mes yeux, très malvoyant. Je tente de vous faire du bon contenu. Alors parfois, c'est pas top. Je fais ce que je peux, les amis. Mais vraiment, un grand merci. On a vraiment fait beaucoup de travail ensemble. On a vraiment évolué ensemble. Donc, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes vraiment tout pour moi. Vous avez vraiment fait tout pour moi aujourd'hui. Grâce à vous, plus de 53 200 abonnés. Donc, je compte sur vous pour l'année 2021. Passez de magnifiques fêtes de Noël, de magnifiques fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de votre famille, vos amis. Faites attention à vous, car aujourd'hui, vous savez comme moi qu'un handicap peut arriver du jour au lendemain. Donc, faites attention à vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien. Que la Team Vision soit avec vous. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous !